sous Fouette Boigny. Ce lundi 9 février 2015 à partir de 10h. Population de Côte d'Ivoire, sortons massivement pour offrir une aide d'honneur et un accueil chaleureux à nos héros nationaux de Port-Boué jusqu'au stade Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire avance, la Côte d'Ivoire gagne. On a gagné. Ils ont commencé là, est-ce qu'ils ont terminé? Dès qu'ils ont commencé là, est-ce qu'ils peuvent terminer? C'est dans le 4 septembre, ici à Bidjan, eh. On nous a gagné, on t'a éliminé. Dès qu'ils ont oublié, c'est la Côte d'Ivoire. Découragez-moi, ne pas y voir rien. Ça n'est pas rentré, oh. Il était petit, oh. On ira en Allemagne, oh. Amen. Allez, blanchir, c'est bon, 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 allez, blanchir,
supporteur du jour. On y va. Aujourd'hui, on va s'amuser comme ça. Tu peux tourner à gauche, tourner à droite, on ne peut pas s'amuser mal. C'est pour danser la danse que ça a chauffé. Merci. Ça a chauffé. C'est un être fou. Malabo 2015, Aniwaka pour l'union, Anibosa, éléphant, discipline, travail, ADB de Bolimona, Aïe, Balonza, Oyotuo, Aïe, c'est si Dialo, que tu querais. Est-ce qu'on peut crier de joie? Victoire!
d'Ivoire est championne d'Afrique. Maintenant, c'est une réalité. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire. Mais avant de commencer, avant de débriefer, avant de dire quoi que ce soit, regardez déjà la réaction du premier capitaine de cette équipe lorsque Copa Barry a arrêté ce but. Jusqu'au bout, et c'est grâce à ces ondes positives qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Vous êtes pressé, Ange. Ouais, ouais. Alors, nous sommes tous là. Miss Soir de Cannes nous a rejoint. Ouais. Mesdames, messieurs, on va faire un peu de silence parce que on a une émission à terminer. Wow. Vous parlez pas beaucoup, vous. Hein. Nous avons une émission à terminer et ce soir nous avons la visite de madame la ministre de la communication qui est avec nous, qui va nous rejoindre maintenant. Madame la ministre, venez. Elle va nous rejoindre donc pour le tableau final. Côte d'Ivoire, on le rappelle, qui vient de remporter, s'il vous plaît. Ça sera difficile de contenir, c'est vrai, il y a la joie, c'est difficile de contenir. Bonne arrivée à vous. Venez, vous mettez là. Que je serve nos consultants. Voilà, vous avez voilà. Alors, réaction à chaud après cette victoire, plus de qualification, pardon, cette victoire de la Côte d'Ivoire. Absolument, c'est d'abord la joie. Et vous voyez que sur le plateau, c'est la joie. Les gens ont difficilement du mal à se contenir et je comprends. C'est la joie. On était tous crispés. On était, je dirais, la respiration coupée. On attendait. Lorsque la Côte d'Ivoire a pu, le gardien, je dirais, Copa Barry, a pu rattraper le ballon, oui, et permettre à la Côte d'Ivoire finalement de gagner, je vous assure que ça a été un soulagement pour tout le monde. Mes premiers mots, c'est d'abord félicitations, bravo, bravo les éléphants, parce que je vous assure que tout le monde, oui, on y a cru, c'est vrai, mais en même temps, on avait un peu de doute, et il faut le reconnaître aussi, oui, humblement. C'est une grande équipe. C'est une grande équipe. On avait peur. Non, je parle du début. Oui, on avait peur. On se disait, est-ce que les éléphants vont y arriver? Et puis finalement, petit à petit, ils nous ont surpris. Et au jour de la finale, on s'est dit, mais tiens, finalement, les éléphants iront loin. Et puis pendant tout le match, j'avoue que j'étais crispée. Je me rappelle, j'avais des collaborateurs à la maison qui regardaient le match avec moi. On avait tous peur. Et puis finalement, les éléphants nous ont donné cette victoire, cette belle victoire. Merci à vous, les éléphants. Merci. Bravo. Bravo. Naturellement, bravo au chef de l'État, Alassane Ouattara, qui avait dit Attends, solution. On va écouter avant de crier, s'il vous plaît. Qui avait dit, lorsque nous avions perdu la dernière fois, qui avait dit, la prochaine fois sera la bonne. Et la prochaine fois, ça a été la bonne. Nous avons gagné. Merci. Merci au chef de l'État. Merci à lui. Parce que Alassane Ouattara égale chance. C'est grâce à lui que les éléphants ont gagné.